Bonsoir à tous les amis et bienvenue ce soir sur Big Pom TV pour une émission exceptionnelle. Au programme aujourd'hui, une palette de stars. Et oui, aujourd'hui il faut sortir une lunette de soleil parce que ça va briller sur le plateau. Dès à présent, je tiens à vous remercier tous autant pour vos messages de soutien et vos messages de réconfort après notre deuxième émission. Vous avez été bien nombreux à nous suivre, nous vous remercions. On vous demande bien sûr de liker la page et de commenter. On va suivre aujourd'hui en direct vos messages pour vos questions diverses et que nous poserons à nos invités. Et dès à présent, je dis bonsoir Rachid. Je pense que encore une fois aujourd'hui, tu as le sourire après une nouvelle victoire hier. Ouais. Donc je pense que tu as le sourire aujourd'hui. Donc ouais. Je te passe la parole pour la présentation de nos invités. Contrairement à toi, c'est vrai que ça fait plaisir de gagner. Merci de me rappeler. C'est sûr, ça fait plaisir. Donc on passe sur autre chose aujourd'hui. Donc ça nous fait plaisir de voir de tels invités sur le plateau. Donc en plus d'avoir des personnes de qualité humainement, c'est vraiment des bonnes personnes parce que on n'a pas tout le temps l'occasion de venir, de libérer son temps. C'est que l'emploi du temps est compliqué, donc c'est très chargé. Et venir vous libérer un lundi soir comme ça, ben franchement, on vous tire notre chapeau parce que franchement, c'est très gentil de votre part. Donc, on va faire une présentation rapide des invités aujourd'hui. Après, on vous laissera la parole plus tard. On parlera du sujet sur tout ce qui est du passage du monde amateur au monde pro, parce que vous êtes tous issus d'ici de notre district Endurance. Donc, chacun a Grand Vaucluse, donc je suis encore à l'ancienne. Donc, vous avez tous foulé les pelouses de la région. Donc, c'est l'occasion de parler, de faire le retour de vos clubs, parce que je sais que en plus de ça, vous êtes à chaque fois près de votre ancien club. Donc, je le vois à chaque fois. J'ai vécu ça à Saint-Rémy avec Jordan qui venait souvent. Je le vois souvent avec Anto qui vient faire le tour des pelouses ici. Et maintenant, il y a plein de nouveaux joueurs qui viennent et qui à chaque fois font le retour au monde amateur. Donc aujourd'hui, on va mettre de côté le département et la région. Désolé. On va parler du côté pro. Et la prochaine émission, on repartira sous nos habitudes en parlant d'autres sujets sur plus local, on va dire. Donc ce soir, on va d'abord commencer à parler rapidement. Donc on a Romain Rocky. Qui est un joueur à la retraite, hein, qui est passé d'abord par le BCI, Cannes, PSG, on l'oublie pas, Tel Aviv, Bastia, Ajaccio, Arles-Avignon et Metz. Donc merci à Romain de venir ce soir. De rien, c'est un plaisir pour moi. Donc on a aussi Jordan Ferry, donc, qui est issu de Saint-Rémy-de-Provence, donc qui est passé par Lyon, Nîmes, et qui est maintenant fait le beau jour de Montpellier. Donc merci Jordan de ta présence. Merci, merci à vous pour l'invitation. Voilà, on a Anto Briançon qui est là, donc pareil, passé par les MJC Avignon, Lyon et Nîmes, donc merci aussi pour ta présence ce soir. Plaisir, merci à vous. Ça fait plaisir. Et Romain Philippoteau, donc qui est notre local du Vaucluse, plus 84 on va dire, que les autres. donc tu es de Courtaison, passé par Courtaison, Pernes, Le Pontet, Dijon, Lorient, Auxerre et Nîmes. Que ça, donc c'est pas mal, donc merci Romain. Avec plaisir. Voilà, et on finit par le petit nouveau, donc Joris, donc ça fait plaisir de te voir Joris, que la fois que je te croisais, on joue contre, donc ça fait plaisir de te voir, donc formé à Montpellier, passé par Château-Renard, Le Pontet et à Montpellier, donc le nouveau professionnel qui fait aussi les beaux jours de Montpellier en ce moment. Merci d'être venu, Joris. Merci à vous. C'est une première, donc tranquille. rien de mieux que d'être à domicile pour toi pour cette première émission. Donc voilà, on va faire je te laisse la parole. Eh bien, on va avant de commencer dans le vif du sujet avec cette émission, on va déjà parler un petit peu de vos résultats d'hiver de hier, hein, de chacun d'entre vous. Bon. Donc il y a eu une défaite pour le Nîmes Olympique en Coupe de France. 5-2-0 avec une équipe très rajeunie, très remaniée. Alors Anthony, capitaine de cette équipe, actuellement blessé, on l'a suivi ça dans l'actualité. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce match? Bon, c'est sûr que je pense que ça a donné du temps de jeu à votre équipe de jeunes. Il y avait comme on a dit, très rajeunie. Donc un petit mot sur ce match. Ouais, c'était le but pour nous de faire tourner un petit peu. C'est vrai qu'on a enchaîné les matchs ces derniers temps, donc ça fait toujours du bien déjà aux titulaires de couper un petit peu.
et de donner du temps de jeu aux jeunes sur des matchs de Coupe de France, c'est important aussi pour eux. Après, ça, c'est pas une excuse non plus du résultat, parce qu'on a pris 5, ça fait toujours mal. Même si nous n'avons pas participé à ce match, on a été touchés aussi par le résultat et par la défaite. Vous êtes engagé, bien sûr, on suit tous l'actualité pour la course au maintien, donc c'était un match un peu, on va dire, mis de côté, on peut dire ça. Ouais, non, mais c'est sûr. L'objectif est clair, c'est le maintien, pas trop laisser de force non plus dans cette Coupe de France. Oui, l'objectif est clair, et c'est le maintien. Après, la Coupe reste toujours un moyen de pouvoir faire jouer les jeunes, donner du temps de jeu à ceux qui en ont un peu moins en championnat. Donc voilà, aujourd'hui, on a plus tout ça, on n'a plus la Coupe. On va se focaliser sur le championnat, sur les 17 derniers matchs qui nous restent, et essayer d'obtenir le maintien cette saison. Très bien. En tout cas, on espère un maintien pour vous. Romain, tu n'as pas participé, toi, à cette rencontre aussi hier, mis au repos. Voilà, tu as suivi, j'en suis sûr, ce match. C'est contre ton ancien club, tu aurais peut-être aimé participer, retourner dans ton stade qui t'a révélé. Hein. Oui, c'est vrai que ça aurait été avec plaisir de retourner sur les terres dijonnaises. Après, voilà, le coach a fait part de ses priorités du championnat. Je pense qu'il faut qu'on ait l'esprit à fond sur le maintien qui est important de pérenniser le club. Donc voilà, maintenant on n'a plus rien, on n'a plus de coupe, donc il va falloir tout donner pour se maintenir. Et on vous le souhaite en tout cas. Merci. Du côté des Montpelliérains, donc présents ce soir, donc il y a Joris et Jordan qui sont là. Donc une victoire 5-0 aux dépens de Caen. Une rencontre où tu as participé, Jordan, une rencontre qui s'est bien déroulée pour vous face à un pensionnaire de Ligue 2, hein, il me semble. Parce que ouais. On ne sait pas quand. Un coup, ils sont ouais, en Ligue 2, ouais. Ligue 2, c'est plus ça. En Ligue 2. Ouais. De Ligue 2. Donc c'est un bon résultat pour vous. La Coupe de France, c'est un objectif pour Montpellier cette saison? Oui, c'est un objectif. Quand moi je suis arrivé au club, le président et le coach nous ont fait part de leur envie de faire un bon parcours en Coupe. Malheureusement, en Coupe de la Ligue, on a été éliminé. Et là, en Coupe de France, on atteint les huitièmes de finale. Donc, à nous de continuer. C'est un objectif pour le club et c'est un plaisir de faire un parcours dans cette Coupe-là. Très bien. Donc, Joris, toi, tu es resté sur le banc, même si tu fais déjà un très, très bon début de saison avec cette équipe de Montpellier, où tu as participé à de nombreuses rencontres. Tu étais sur le banc hier. Tu peux nous dire un petit mot sur ce match que tu as suivi? Oui, on a fait un bon match. On a été sérieux sur tous les domaines. Donc c'est vrai que c'est toujours bien de gagner. En plus, on a très bien joué, donc c'est sûr que ça fait plaisir de faire un beau parcours en Coupe de France. Bon, merci pour le retour. Donc en tout cas, avant de vous laisser la parole par rapport à ce thème qu'on va faire, du passage de l'amateur au professionnel, vous, les téléspectateurs, vous pouvez interagir avec nous, donc laisser des commentaires via Facebook et poser des questions. Alors on va essayer d'en sélectionner quelques-unes. Et parce qu'à la fin, on va poser quelques questions à nos invités. Donc, si vous avez des questions un peu plus personnelles, bon, pas trop personnelles quand même. mais si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à commenter. On essaiera de faire au mieux pour transmettre toutes les questions. Donc, ce soir, au niveau des invités, c'est riche et varié parce qu'on a un ancien joueur, donc avec Romain qui est là. Et un nouveau joueur, donc avec Joris qui est là. Donc, c'est vrai que c'est tous des profils différents. Et il y a les confirmés, donc il y a Jordan, Anto, Romain, mais confirmés, vous avez chacun eu un parcours complètement différent. Donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir tous discuter avec vous, parce que bah, Jordan, tu as eu un parcours un peu plus, on va dire, linéaire, avec tu as réussi à percer pro dans ton club formateur. Puis après, il y a Anto qui est passé par d'autres chemins, un peu plus court, et Romain encore qui a passé par d'autres chemins. Donc c'est que ce qui fait le charme aussi, c'est que on a un nouveau joueur, un ancien, donc on pourra en parler, et vous les confirmez les trois, et vous pouvez vraiment nous parler des difficultés qu'il a pu avoir pour déjà être là et être là à votre âge et continuer à être là et performant à chaque fois. Et c'est l'occasion vraiment d'en discuter. Donc je vais commencer à laisser la parole à l'ancien. À Romain, qui va pouvoir nous parler de tes débuts. Par où tu es passé, comment tu as pu faire tes premiers matchs et l'enchaînement de ta carrière, ce serait intéressant d'en savoir un peu plus. Voilà.
Bon, c'est assez général, je peux parler pendant 5-6 heures. Hein, ouais, mais tu es quand même ici d'ici, tu as réussi à aller au PSG, donc ouais. À part à Mathieu Delrin, il n'y a pas beaucoup de personnes ici qui. Il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal, c'est vrai. Mais maintenant, ils sortent un peu plus. C'est vrai qu'ils sortent un peu plus. Ils ne le disent pas trop fort, mais ils sont cachés. Il y en a pas mal de supporters. Okay. Ouais. Non, moi, j'étais au BCI, j'ai commencé au BCI Football, donc à Lille-sur-Sorgue. Donc j'ai joué jusqu'à 13 ans, et puis j'ai eu la chance de par les sélections régionales d'être recruté donc à l'âge de 13 ans à l'AS Cannes, voilà, au centre de formation. Donc là, si on peut parler justement de transition énorme ou de changement de monde, moi je l'ai déjà vécu là, parce que au BCI j'avais un entraînement par semaine, donc c'était plutôt cool, ouais, le mercredi. Donc et puis je suis passé à un autre monde, parce que on s'entraînait tous les jours. À l'époque, moi j'étais un des premiers à être, on parlait de poussin tout à l'heure, là, j'étais minime 2 à l'époque, c'était les minimes. Et c'était une des premières fois où ils tentaient de... Pour les plus jeunes, donc c'est U13 minime, ça c'est... Ouais. Là on parle un peu du monde de la préhistoire avec Romain. C'est pas gentil ça, c'est pas gentil. Non, donc après voilà, je suis arrivé moi en minime 2 et on n'était que deux. Ils essayaient pour une première fois à 13 ans, parce que 13 ans c'est jeune. Hein. Et donc c'était vraiment pas facile, parce que moi à 13 ans, j'étais pas formé, j'étais pas habitué à m'entraîner aussi fort, et j'ai surtout rencontré des très bons joueurs déjà formés, musclés, souvent des mecs de la région parisienne qui étaient déjà bien des beaux bébés. Donc c'est vrai que pour moi ça a été un changement énorme, déjà rien qu'au niveau physique, au niveau de l'intensité, ça a été vraiment aussi très très dur au début. Et puis petit à petit, il y a eu des blessures, il y a eu des problèmes de confiance aussi, il y a eu plein de choses. Mais après, la séparation avec la famille, ça a été compliqué pour toi ? Pour moi, non. Personnellement, non. Parce que moi, j'ai même pas laissé, je le dis tout le temps, j'ai même pas laissé l'opportunité à mes parents de dire non. Pour moi, c'était évident de jouer au foot tous les jours. C'était magnifique. La AS Cannes, c'était le meilleur centre de formation de France à l'époque. Pour moi, c'était évident que j'y aille. Donc pour moi, ça n'a pas été si dur que ça. Ça après, c'est peut-être propre à ma personnalité. Hein, moi, je l'ai vécu comme ça. Donc moi, j'étais content de jouer au foot. C'était ma passion. Donc il a fallu que tout ça se mette en place. Et puis petit à petit, ça s'est mis en place par le travail, par plein de choses qui ont fait que j'ai grandi au centre de formation, j'ai passé les étapes, et puis j'ai eu un deuxième changement là aussi qui a été énorme, c'est à 20 ans, quand le Paris Saint-Germain, quand j'ai fait la bascule au PSG. Et donc, ça s'est fait comment cette bascule de passer de Cannes, où tu avais fait des matchs déjà à l'époque, donc c'était la CFA peut-être, ou c'était National, non, National, ouais. National, et donc National, et tu es passé directement, directement au PSG qui à l'époque n'était pas le PSG All-Star de maintenant, mais c'était quand même déjà un très grand club français. Comment ça s'est fait? Après, c'est des concours de circonstances. Il y a Luis Fernandez à l'époque qui est très attaché au club de l'AS Cannes, qui avait fait un premier match pour l'anniversaire de M. Varro, je crois que c'était le recruteur de Zidane. Et il y avait eu un match PSG-Cannes. Et donc, une première fois, moi, j'avais un peu joué. Il se dit qu'il m'avait un peu vu là. Et puis une seconde fois, le dernier match de championnat, on jouait la montée en fait en deuxième division, et ça se jouait sur le dernier match, on jouait contre Valence, et là Louis était venu, était dans les tribunes, et donc moi ce soir-là, j'avais fait plutôt un bon match, et puis il m'avait encore vu là, et puis là il a dit, c'est là où il m'a voulu. Au bon endroit, au bon moment. Ouais, et surtout, ça a été aussi un concours circonstance qui a fait que, moi, le président de l'AS Cannes m'avait dit que là, on a perdu ce match, en fait. On a perdu ce match contre Valence. Si on le gagnait, on montait en Ligue 2. Et là, je serais resté à l'AS Cannes. Mais du fait qu'on l'ait perdu, pour moi, ça a été terrible qu'on le perde. Parce que pour moi, c'était magnifique de remonter en Ligue 2 avec l'AS Cannes. J'attendais que ça, retrouver le monde de vraiment pro, entre guillemets. Et en fait, donc voilà, on a perdu ce match. Et ça a été terrible pour moi, mais de l'autre côté, ça a été un mal pour un bien, parce que Louis m'a vu, et là, le président m'a laissé partir, parce qu'il a compris qu'on ne pouvait pas dire non quand même,
quand le PSG te veut, moi je voulais absolument y aller. Donc voilà, ça a été aussi un grand changement pour moi. Mais je peux parler pendant 5 heures, tu m'arrêtes. Hein, jamais, parce que là, après Paris, ça a été non, aussi… Mais on va parler du reste de ta carrière un peu plus tard. On va passer avec Jordan, donc avec un parcours qui… Donc, tu es parti… dis-nous tout. Ouais, j'ai toujours joué, moi, à Saint-Rémy de Provence. Après, j'ai été détecté à l'âge de 13 ans, où je pouvais intégrer le centre de préfo à Aix pour après partir à Lyon. Mais j'ai souhaité finir mon collège à Saint-Rémy et rester proche de ma famille, contrairement à vous. Moi, je ne me sentais pas prêt à 13 ans de partir. Donc, ça s'est fait à 15 ans où j'ai intégré le centre de formation de Lyon. Et là, j'ai passé toutes les étapes où j'ai signé professionnel à 19 ans ou à 20 ans. Et après, j'avais intégré le groupe pro un petit peu avant. Et après, j'ai fait mes premières classes en professionnel avec Lyon, où je suis rentré d'abord en Coupe d'Europe. Et après, la saison d'après, titulaire en championnat avec Lyon. Du coup, tu as été détecté, donc tu dis à 13 ans, un peu comme Romain. Donc, tu as décidé de rester proche de ta famille. Ouais. Mais du coup, comment s'est passé ce 13 avant de signer à Lyon? Ça se déroulait ouais. Comment? Je suis resté à Saint-Rémy. Dans ma famille. Bah, après, on avait la chance qu'à l'époque, Saint-Rémy, on jouait quand même au plus haut niveau. On avait Christophe Carrasco, on avait les 14 fédéraux et les 15 en Ligue, donc ce qui me permettait quand même de jouer au plus haut niveau régional. Donc voilà, c'était un choix personnel. Ma famille m'a soutenu dans ce choix. Ils voyaient que j'étais pas prêt tout simplement à quitter le cocon familial à l'âge de 13 ans. À 15 ans, je me sentais un peu plus fort mentalement, même si la coupure avec ma famille a été quand même assez compliquée. J'ai mis du temps un peu à m'adapter au centre de formation. Et après, tout s'est bien passé. J'ai fait des rencontres formidables et après, voilà, comme je l'ai dit, j'ai passé les étapes les unes après les autres au centre de formation. Très bien. Donc là, de parcours, on va dire, linéaire, classique. Ouais. On va passer avec toi, Romain, qui a eu un parcours tout autre. Je pense que quand on peut parler de passionné et d'abnégation dans ce qu'on veut faire, je pense que tu en es l'exemple pur. Avec ton parcours que tu vas nous expliquer, je pense que tous les joueurs du district te connaissent pour avoir joué contre toi. Et donc tout le monde t'a suivi. Je pense pour beaucoup de jeunes qui nous suivent ce soir, tu peux être un bel exemple de persévérance. Dis-nous tout. Ben, moi, j'ai commencé mes classes à la MJC d'Avignon, qui était à l'époque un gros club de la région qui formait beaucoup de jeunes joueurs, voilà, donc j'ai fait mes classes là-bas dans toutes les équipes de jeunes, ils avaient vraiment un niveau intéressant. Et puis après, j'ai fait mes classes en PHA dans différents clubs du Vaucluse, avant de signer à Pernes un peu plus longtemps, où j'ai fait 4-5 saisons en DH, CR et en DH. Et puis je travaillais à côté de ça, donc voilà, on prenait le sac à la sortie du travail et on se tapait une heure de route pour aller s'entraîner 4 fois par semaine. Parce qu'à l'époque, même en DH, on s'entraînait 4 fois par semaine, et encore plus avec Charlie de Corzan. Avec Charlie. donc voilà, c'était pas facile, parce que ça nous faisait rentrer tard le soir. Et voilà, je pense que si on n'est pas passionné ou si on n'aime pas ça, on s'arrête. Et puis après, j'ai eu la chance que ça a été une chance que le Pontet, Pierre Bernard, prenne l'équipe du Pontet en CFA parce qu'il y avait des soucis financiers. Là, ils ont fait un peu plus confiance à des jeunes de la région. Et vu qu'ils connaissaient un peu mes performances un peu en DH, il m'a fait confiance. Et puis j'ai fait 6 mois qui sont très bien passés et j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'appels de clubs et d'agents qui voulaient que je fasse des essais dans certains clubs de Ligue 1 et Ligue 2. De là, j'ai fait mon premier essai à Dijon et au bout de 2 jours et demi d'entraînement, ils m'ont fait signer un contrat pro direct. Donc, j'ai même pas eu besoin de faire d'autres essais ailleurs. Donc, Et c'est à quel moment vraiment que tu t'es dit « bon, c'est possible, je peux passer pro » parce que, comme tu dis, tu travaillais, tu as commencé à… Bah, tu avais un parcours, voilà, tu étais dans le district, après en DH. C'est vrai que quand on est à ce niveau-là, c'est rare de voir des joueurs qui continuent à… quand on n'est pas passé par un centre de formation, parce qu'en général, quand on passe par un centre de formation, ça peut arriver qu'on repart sur des clubs de DH pour rebondir et après repartir parce qu'on a un nom, mais toi tu es issu de la région, donc à quel moment tu t'es dit bon c'est possible, je peux y aller parce que
le Pontet, la CFA, même quand tu étais en CFA, je pense que tu allais en te disant bon, c'est bien, je vais jouer en CFA, c'est bien. Après, tu t'es rendu compte, je pense que le niveau, ben, c'était pas si dur que ça pour toi parce que tu avais des aptitudes déjà techniques et physiques, athlétiques et tout le reste. Quoi, tu vois. Ben moi, mon rêve, c'était quand j'ai signé au Pontet, c'était de jouer dans le meilleur niveau régional. Donc, c'était la CFA au Pontet, voilà, c'était de faire ça et un parcours aussi en Coupe de France. Voilà les joueurs amateurs sur quoi on rêve. En aucun cas, je pensais être pro parce que j'avais 23-24 ans. Et à ce moment-là, tu ne pensais pas du tout. Pas du tout. Tu t'es dit, vous gagnez ma place. Et voilà, et tu travaillais encore là, du coup, quand ouais, je travaille encore. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'ai eu beaucoup d'appels d'agents, même là, j'y pensais pas du tout. C'est quand j'ai eu les essais dans les clubs, avec les clubs pro, que là, j'ai commencé à me dire, ouais, pourquoi pas. Mais ça, même, c'est vraiment quand j'ai eu le contrat. Au bout des 2 jours et demi, je pensais qu'ils allaient me dire ouais, on va te revoir dans en fin d'année ou tu reviendras faire un essai. Et là, quand ils m'ont sorti le contrat 2 ans et demi, même mes parents, quand je leur ai annoncé, tant qu'ils n'avaient pas vu le contrat, ils pensaient pas. Voilà, donc ça s'est fait très vite. Est-ce que pour toi, j'ai une question vraiment importante, est-ce que pour toi c'était plus simple de monter que de rester en niveau PHA, DHR? Parce que c'est que des fois, au plus on monte, c'est là la différence. Des joueurs quoi, comme toi, je pense au plus tu dis c'est facile parce qu'il y a plus d'espace, c'est plus fluide, c'est plus quand on à un niveau un peu plus bas, beaucoup plus de mal parce que c'est plus dense, c'est plus concentré, c'est plus d'impact. C'est vrai que moi qui ai connu, tu t'es rendu compte que c'était plus simple plus haut quoi. Voilà, après donc, voilà, il y a plus de qualité en haut parce que sinon ça serait trop simple pour, mais c'est vrai que le monde amateur il est pas si facile que ça. Je me rappelle des niveaux DHR, DH, il y avait un niveau exceptionnel avec des joueurs qui, même j'y jouais avec des joueurs qui avait autant de qualité que moi, voilà, qui aurait pu très bien réussir aussi. Après, ça a été un concours de circonstances. J'ai eu la chance de, pendant 6 mois au Pontet de, voilà, d'avoir explosé. Et après, j'ai eu cette chance aussi de tomber sur les bons clubs aussi dans le monde professionnel au bon moment. Après, voilà, faut jamais lâcher, c'est ça que j'ai envie de dire. Et quand on a la passion, faut continuer. Mais le monde amateur, c'est vraiment un monde très compliqué et on dit que c'est plus facile de jouer plus haut. C'est vrai que pour nous les offensifs, on a plus de temps et c'est moins haché, c'est moins brouillon et voilà, même si on rencontre des meilleurs joueurs, c'est vrai que c'est dur, le monde amateur. Tu gardes de bons souvenirs de tes passages au monde amateur. Est-ce que tu penses que ça t'a forgé pour atteindre l'élite? Oui, ben là surtout les premières années parce que j'arrivais, j'avais un déficit forcément dans le rythme d'enchaîner tous les jours à une grosse intensité les entraînements. Moi j'arrivais, j'étais à fond tout le temps et eux ils s'entraînaient tranquille parce qu'ils avaient cette maîtrise technique, ils avaient cette expérience que moi j'avais pas. Et une fois que j'ai pris ça, que j'ai commencé à m'étalonner et quand j'étais en concurrence avec les mecs, on était 50-50, c'est vrai que cette histoire d'avoir galéré, de venir d'en bas, ça m'a permis de passer souvent devant les mecs. Donc on va dire que ça mentalement ça m'a servi beaucoup de passer dans ce domaine, dans le monde amateur. Très bien. On va passer à ton capitaine. Anthony, donc pareil, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours qui t'a mené jusqu'au capitanat du Nîmes Olympique. Dis-nous un peu tout. Ben moi, j'ai commencé à la MJC d'Avignon, j'ai fait 10 ans. 10 ans, donc j'ai fait les 5 premières années, c'était la MJC d'Avignon, après c'est passé Avignon Foot 84. J'ai fait 10 ans, un petit peu le même souci que Jo, enfin le même souci, j'ai été démarché comme Jo par le pôle esport d'Aix-en-Provence. Et étant donné que je suis très famille aussi, j'ai préféré rester auprès de ma famille. En sachant que j'étais en section foot à Avignon, au Collège Roumanie, qui me donnait l'opportunité aussi de m'entraîner donc deux fois par semaine avec le collège. Et j'ai intégré par le biais de Gilles Signoret, le centre de formation de Lyon à l'âge de 14 ans. Puis donc j'ai fait 3 ans à l'Olympique Lyonnais. J'ai eu malheureusement une grosse blessure qui m'a éloigné des terrains pendant presque un an et demi, une blessure de croissance. Malheureusement, dans des centres de formation du calibre de l'Olympique Lyonnais, ça pardonne pas, nous laisse pas le temps. Il y a tellement de joueurs et de très bons joueurs qu'à un moment donné, quand
on est éloigné trop longtemps des terrains, ben, c'est, on nous laisse pas une deuxième chance. J'ai donc eu, moi, la chance de retrouver un club professionnel qui était le Nîmes Olympique, où j'ai signé juste après avoir quitté Lyon. Et ça fait 6 ans que je suis à Nîmes. Tu dis, par rapport à ta blessure, ça a été un coup moral, cet arrêt par rapport à Lyon, ou c'est... Au contraire, tu t'es dit faut de suite rebondir, je sais que j'en suis capable. Ouais, est-ce que ça t'a mis dans le métier de footballeur, on sait que la blessure c'est la hantise de tous les footballeurs, d'être éloigné des terrains, de ne pas pouvoir aider son équipe. Malheureusement, bon, moi j'étais jeune, j'avais peut-être pas le mental que j'ai aujourd'hui, mais ça m'a forgé, ça m'a aidé, ça c'est sûr, puisque ça m'a permis maintenant, quand j'ai des petits pépins, de relativiser et de penser à ce que j'ai vécu, la galère que j'ai vécue. Ça sert toujours, il faut savoir en tirer les leçons. Et voilà, ça m'a peut-être un mal pour un bien, comme disait tout à l'heure Romain. Peut-être qu'à Lyon, j'aurais pas réussi. À Nîmes, j'ai eu la chance de réussir. Donc, Et au niveau de la génération, vous étiez là avec Jordan, vous êtes arrivé en même temps ou... Non, il a 2 ans de moins que moi. 2 ans de moins de formation. Ouais. Donc, on a fait, la première année, on était ouais. ensemble. On a eu une année en commun. Ouais. Une année en commun. Ouais, je me suis bien occupé de lui. Tu es bien occupé de lui. c'est vrai, parce qu'il y a une solidarité aussi entre locaux. Hein. Ça arrive, on a pas mal de jeunes qui sont dans les centres de formation. Donc c'est qu'entre eux, c'est important de communiquer. Il y avait Dylan aussi. Nous, on a eu la chance d'arriver au centre et il y avait déjà Jordan et Maxime Blanc. Ouais. Donc pour l'intégration, c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux. Quoi. Parce que c'est compliqué aussi la vie en centre, parce que mais on pense des fois épargné. Que tout est... malgré les affinités, nous n'avons pas épargné. Non, parce que des fois on pense que tout est beau, tout est rose, mais c'est vrai que la vie en centre, pour en discuter avec certains jeunes qui sont encore là-bas, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile au quotidien, déjà au point de vue affectif, puis après au point de vue entre joueurs, quoi. Des fois c'est pas non plus, même si c'est coéquipier, des fois c'est pas facile, des fois. Sûr. Donc ça forge vraiment, je pense que pour un pro, ça forge vraiment de passer en centre de formation et de se dire, bon, les mecs, c'est mes collègues, mais oui non. Parce qu'à la fin, il faut que je signe, je suis dans le collectif, après, mais il faut qu'individuellement. On nous apprend la concurrence très vite aussi. Dès le centre de formation, il y a cet esprit de concurrence. Comme tu l'as dit, ça peut être ton copain de chambre, mais s'il joue ton poste et qu'il est de ta génération, c'est que y en a qu'un qui jouera le week-end. Donc il y a déjà, en plus à Lyon, où c'est un centre de formation, comme il a dit Anto, où il y avait beaucoup de très bons joueurs, on t'enseigne la concurrence dès le plus jeune âge aussi. Donc nous après, on n'avait pas ce problème-là parce qu'on n'était pas de la même génération. Oui. Donc voilà, puis sachant qu'il venait du Sud aussi, on essaye toujours on avait beaucoup d'amis en commun, donc voilà, ça nous a rapprochés aussi. Mais c'est vrai que très jeune, tu as cet esprit de concurrence qu'on t'inculque aux entraînements, déjà les entraîneurs, et tu le vois dans la vie de tous les jours au centre de formation aussi. Moi, j'ai une petite anecdote, justement, je me permets, parce que tu parlais d'anecdote tout à l'heure. Là, je l'ai, la mienne. Moi, quand je suis arrivé au centre de formation, enfin, j'avais pas encore signé là-bas. À l'époque, c'était Guy Lacombe qui était directeur du centre de formation, et il me prend dans son bureau, donc... Moi j'arrive, puis il me dit, on commence à discuter, tout ça. Puis il me dit, et puis la concurrence, ça te fait pas peur? Moi je savais pas ce que c'était. Quand il m'a dit ça, je suis resté bête, parce que quand on joue dans nos clubs, on est entre guillemets censé être, on va dire, le bon joueur, ou on sait pas trop ce que c'est. Ouais, peut-être, mais non, mais quand il m'a dit la concurrence, ça te fait pas peur, et moi je suis resté bête, je m'étais jamais retrouvé confronté à ça. Et je dis, mais non, moi, je m'en fous, la concurrence, c'est pas grave. Et donc, quand j'ai signé là-bas, j'ai compris ce que c'était la concurrence. Rapidement. Et pour continuer, Anto, du coup, à ton retour de Nîmes, du coup, comment s'est passé au début? À quel âge tu es retourné à Nîmes? Tu es passé par quelle équipe d'abord? J'ai mon meilleur ami qui joue à Nîmes, qui est Gaëtan Paquez, oui. Qui m'a donné l'opportunité de faire un essai. Donc j'avais, quand je suis sorti de Lyon, j'avais 17 ans. C'est beau, c'est un joueur qui te donne l'opportunité de... C'est beau. Ouais, ouais. Ça reste comme c'est toujours important. Ça reste familial, quoi, tu vois. Ouais, non, parce que c'est vrai que... Donc il m'a donné l'opportunité de faire un essai. L'essai a été concluant. Donc j'ai intégré le centre de formation de Nîmes. Je ne suis pas resté très longtemps parce qu'après j'ai eu le permis, j'ai pu me prendre mon indépendance, mon petit appartement, parce que c'est vrai que c'était
quand on passe du centre de formation de Lyon et qu'on arrive au centre de formation de Nîmes, avec le plus grand respect que j'ai pour Nîmes, les infrastructures ne sont pas les mêmes. Les moyens déjà ne sont pas les mêmes, mais les infrastructures ne sont pas les mêmes. Donc, j'ai eu l'opportunité de... Depuis d'avoir le permis pour balader. Voilà. Donc, j'ai fait en sorte d'avoir assez rapidement mon permis pour pouvoir partir de là. Mais bon, et après, donc, j'étais avec les U19. J'ai fait une saison en U19 où j'alternais U19-CFA2. Okay. Ensuite, j'ai fait une saison pleine en CFA2 où là aussi j'alternais CFA2, mais je m'entraînais quand même avec les pros. Et c'est en 2013, l'année 2013-2014, la saison 2013-2014 où j'ai signé mon premier contrat pro. Et c'est qui t'a lancé dans le bain en train ? C'est à l'époque, c'était Victor Zvenka qui m'avait lancé dans le grand bain sur un match amical contre Toulouse. Ensuite, il a démissionné, c'est René Marsiglia qui est devenu entraîneur, qui m'a permis de faire mon premier match en pro contre Créteil en Ligue 2. Et ensuite, avec les soucis de santé qu'avait René Marsiglia, c'est Pasquale Etier qui est devenu entraîneur et c'est lui qui m'a réellement lancé dans le grand bain. Okay. Parlant de centre de formation, il y en a un qui en sort ou qui est toujours hein, notre petit jeune de l'émission. Joris, dis-nous ton parcours. Donc tu es actuellement le joueur phare, on va dire, du district qui est mis en lumière en ce moment, hein, et qui est mis en lumière aussi par son entraîneur qui fait les plus grandes éloges de toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur ton parcours? Moi, j'ai commencé le foot à 4 ans au RC Provence, où j'ai fait 3 ans. Après, je suis parti à Château-Renard où j'ai fait 5 ans. Et après, je suis parti au Pontet où j'ai fait 3 ans jusqu'à U14 et le centre de formation. J'ai eu l'opportunité, comme Jo et Anto, d'aller au pôle d'Aix, mais comme j'ai refusé parce que je me sentais peut-être pas prêt à partir et je voulais rester. C'est intéressant ça. Vous êtes donc trois très attachés à vos racines. C'est bien. Il y a que Romain qui lui il a dit moi je m'en vais. J'ai pas le temps. Laissez-moi partir. Mais c'est intéressant. Ouais, donc du coup après je suis parti au centre de formation de Montpellier à 14 ans. J'ai fait mes 3 années de formation. Et là, j'entame ma 4e année où j'ai signé mon premier contrat professionnel, le jour de mon anniversaire. C'est un beau cadeau. Ouais, voilà. Et là, je fais ma première saison en tant que professionnel. J'ai joué déjà un bon nombre de matchs par rapport à mon âge, donc je suis content de ça. Je ne m'attendais peut-être pas à jouer autant de matchs dès la première saison, mais après, malheureusement, il y a eu des circonstances qui ont fait que j'ai pu jouer. Comme la blessure de Jo, de Flo. Ou le malheur des œufs, le bonheur des autres. Ah, voilà. Ça fait plaisir à Jordan. Non, mais c'est vrai. Après, moi, pour parler de Joris, dès le premier entraînement, quand il est monté, parce qu'il n'a pas fait la prépa avec nous, mais non. Il est monté à un entraînement et on a vu tout de suite qu'il n'allait pas ressortir du groupe. Quoi. Une fois qu'il a fait son premier entraînement avec les pros, en plus, on avait fait un tournoi, je crois. Ouais, c'était un tournoi. Et de suite, même nous, après à l'entraînement dans le vestiaire, on s'est dit, le jeune là, on sentait tout de suite qu'il avait quelque chose de plus que les autres. Et d'ailleurs, il a pu quitter le groupe. Quoi. Donc c'est bien aussi pour Montpellier d'avoir des jeunes qui, de la qualité de Joris qui montent avec le groupe professionnel. Donc, tout cela, vous avez été, donc, on va dire, repéré à un moment donné. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment en fait, sur des tournois, sur des matchs, est-ce que vous voyez quand il y a un recruteur qui est là, est-ce que vous êtes mis au courant, est-ce que vos clubs vous le disent ou vous carrément vous le savez pas, vous jouez et puis d'un coup on vient vous voir, ou comment ça fonctionne? Joris, dis-nous. Ben, moi je pense qu'au début on pense pas forcément au monde de pro, on voit les joueurs à la télé, on pense pas forcément au centre de formation et tout ça, donc on joue normalement comme des enfants sans se soucier de tout ça. Et un jour, notre coach ou nos parents nous disent qu'on est contacté par des clubs pro. Donc là, on commence à faire des détections. Les clubs nous approchent pour venir faire des matchs avec leurs équipes de jeunes. Et après, au fur et à mesure des détections, si on a un bon niveau, si on a le niveau de rentrer en centre de formation pour les recruteurs, eh bien, on intègre les centres de formation. Dès ces matchs-là, dès qu'on vous dit, qu'on vous met, on va dire, entre sélectionnés, est-ce que là, dès à présent, vous sentez la concurrence qu'il faut faire votre trou, ou là encore, tu es complètement détaché de tout ça? Mais je pense qu'on est un peu entre les deux, parce qu'au début, on est quand même encore des jeunes adolescents, donc on pense qu'au foot.
Après, c'est sûr qu'on voit des joueurs, beaucoup de joueurs arriver et vouloir la même chose que l'on veut nous. Donc c'est sûr que la concurrence, elle commence petit à petit à s'installer, mais au début, je pense qu'on n'y pense pas forcément. Et Joris, je ne me rappelle plus trop, du coup, tu as fait beaucoup de détections avant ou tu as déjà directement vu Montpellier et, qui me semble qu'il y avait déjà beaucoup de clubs à l'époque. Au début, c'est l'année de U13. On a pas mal de détections. Quasiment tous les mercredis, on est sur Marseille pour faire des détections pour plusieurs clubs pro. Donc c'est vrai que c'est une année où on est beaucoup sollicité par beaucoup de clubs. Donc il n'y avait pas que Montpellier. Ouais, je sais que tu avais le choix, mais c'est vrai qu'après, tu faisais une discussion que tu avais avec tes parents, un ressenti personnel, comment tu as été accueilli là-bas. C'est ce qui fait que tu choisis Montpellier autre que notre club. Ressenti pour toi exactement? Bah après, j'avais visité les installations. Oui. Je savais que c'était un club familial. Après, je savais que c'était important aussi d'avoir et le foot et l'école, parce que malheureusement, pas tout le monde réussi à atterrir professionnel, donc l'école c'était aussi important. Je savais que faut dire que tu as eu le bac, hein. Ouais. Le bac, donc tu as continué l'école, ouais, à défaut du permis, tu as eu le bac. J'étais obligé. Il fallait la sortir. C'est important de le dire. Mais c'est l'anecdote, c'est mon anecdote, j'ai pas le permis. Eh ben c'est mort, ton anecdote. Bon, je suis débarrassé de l'anecdote. C'est vrai que c'est pas facile parce que ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices. Hein, et c'est que continuer à passer le bac, parce que j'ai les échos de ce qui se passe. Hein, à l'école, c'est bon, vous y allez pas, c'était pas forcément très cadré. Quoi. Si, ben nous à Montpellier, c'est pas mal cadré parce que les classes, elles sont à l'intérieur du centre de formation. Du centre, ouais, ouais. Donc les profs viennent que pour les joueurs du centre. Donc on est obligé d'aller en cours. Tu as moins de cours comparé à un enfant de Nanda qui va au lycée ou qui va... Après, on avait quand même pas mal de cours. On avait une journée entière le lundi et le vendredi. Et après, le mardi, mercredi, jeudi, on avait cours tous les après-midi quand même. Mais après, ouais, c'est vrai qu'on était très suivis sur les cours. Après, l'année du bac, c'était aussi une grosse année pour nous parce qu'on avait... Ben, en l'occurrence, on avait la Youth League, on jouait la Gambardella à fond, on était sur tous les tableaux. Après, moi, personnellement, j'avais l'équipe de France, donc c'est vrai que c'était compliqué pour le bac. J'ai réussi à l'avoir et je suis content de ça. Le club de bac? S. Ben non, franchement, c'est à souligner parce que c'est bien. Bon, j'en parle pas, je vais pas vous mettre mal à l'aise. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. T'as vu quoi, Jo, comme... Non, moi, j'ai le niveau bac. J'ai pas le bac, mais j'ai le niveau bac. Au niveau des centres de formation, donc on dit... quand Anthony est arrivé du côté de Lyon, donc une différence entre les centres de formation. Est-ce que ça fait partie, quand vous êtes, on va dire, recruté, que vous avez plusieurs clubs sur vous, est-ce que ça fait partie vraiment, peut-être pour vos parents plus, peut-être, d'un choix d'où aller dans un centre de formation? Selon le centre de formation, on va peut-être aller plutôt dans un club plutôt qu'un autre? Oui, dans tous les cas, on regarde un petit peu tous les aspects. On regarde déjà les infrastructures, on est surtout conseillé par nos parents, surtout. Après, on regarde aussi l'aspect des études, comme disait Joris. Par exemple, quand on compare les centres, on regarde un petit peu ceux qui ont réussi d'un côté, de l'autre, et à quel poste. Si on a des connaissances dans un club comme là, pour ma part, Jo et Max Blanc, moi, je m'étais renseigné auprès des parents de Maxime Blanc pour savoir un petit peu comment ça se déroulait. Parce que c'est vrai que quand on vient, comme moi et comme tout le monde, d'un club amateur comme Avignon, on ne connaît pas et on ne sait pas où on met les pieds. Quoi. Donc, c'est toujours intéressant de discuter avec des gens qui sont passés par là, qui ont vécu ces choses-là, pour pas arriver et être perturbé par tout ça. Quoi. On commence à avoir quelques questions, donc c'est vrai qu'on a pas mal de questions et donc on va commencer déjà par une première question de Guillaume qui nous dit étant du sud, désolé Romain, étant du sud, est-ce que pour vous ça paraît impossible de signer au PSG un jour?
Donc, Ena qui connaît ta réponse à toi. Je connais ta réponse, c'est sûr. Est-ce que ça a été difficile parce que bon, on a aussi des anecdotes, parce que sur ça, sur Romain, et que quand il y a eu certains derbies entre PSG et l'OM, ça a été pas facile pour ta famille. Tu m'en avais raconté sur ça. Donc, est-ce que toi, ça a été partir au PSG, ça n'a pas forcément été évident en tant que sudiste? Ben oui et non, parce que quand tu es footballeur, que moi j'étais à l'AS Cannes, donc je voulais retrouver le monde pro, parce que j'avais connu avec Cannes, donc moi quand j'étais allé, ils étaient en première division, j'ai vu descendre le club en D2, après en National, donc pour moi c'était difficile, je voyais le club descendre de, entre guillemets, de gamme, et puis là je voulais donc retrouver ce monde pro, et là moi j'avais que Paris, donc j'avais pas le choix de toute façon. Et mais bon, quand Paris te demande que tu es footballeur, tu peux pas dire non, parce que c'est magnifique de pouvoir jouer pour la capitale. Même, et j'ai jamais été trop supporter, bien sûr. J'ai adoré l'OM à la grande époque, j'ai toujours adoré ce club, mais en tant que footballeur, après, déjà Marseille, ils m'ont pas demandé, même si j'ai fait toujours de très bons matchs contre eux, mais ils m'ont jamais demandé. Donc Paris m'a demandé, et puis je pouvais pas dire non parce que c'était impossible. Moi, mon meilleur ami, c'est un fou de l'OM, et j'ai dit j'étais obligé, et qu'est-ce que je te dis, j'avais que ça. Et non, mais c'était dur de dire non, c'était trop. Ouais, il y a une question, ouais, de Olivier Sekini qui demande qu'est-ce que ça fait de jouer tous les jours contre Ronaldinho. Ah ben, Ronny, c'était énorme. Souvent, ce que je dis, c'est que moi, je me considérais comme joueur technique, entre guillemets, numéro 10 un peu à l'époque, quand j'étais jeune. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu ce que c'était un vrai numéro 10, je dis, moi, je suis 6. Ah, c'est magnifique. Ronny, c'était magnifique. Magnifique, ce joueur, le toucher de balle. C'est là où j'ai vraiment vu ce que c'était que le toucher de balle. Parce qu'il maîtrisait la balle comme personne. Toi, tu es là, tu as les appuis, un coup le ballon, il va là, tu récupères, tu es là. Lui, il touchait le ballon, c'était magnifique. Il faisait des choses simples, mais c'était trop beau. Il avait une facilité avec le ballon, il était puissant, il avait la vision du jeu, il avait tout. C'était magnifique. C'était bon en soirée aussi. Pas mal. et pour les quatre autres, alors, si le PSG. Joris fait la grimace. C'est pas une question piège, je vous donne pas une info transfert là, les gars. C'est juste pour savoir, est-ce que ça vous ferait drôle d'être en tant que sudiste, aller au PSG, Romain? Personne ne peut refuser Paris, je pense maintenant. Je pense que même en étant sudiste, ça serait, je pense qu'il serait. Il serait faux cul, pour le dire. Voilà, c'est dans le foot, on peut jamais prévoir les choses à l'avance. Et je pense que demain, tous ceux qu'on est là, Paris, ils viennent à mettre de l'argent et à nous vouloir. Je pense que c'est dur de refuser. Voilà. Joris, j'aimerais ta réponse, Joris, parce que je te vois faire des grimaces, Joris. On aimerait quand même ta réponse. Moi, je pense personnellement que je ne pourrais pas jouer à Paris. Ah, d'accord. Ah, vraiment Non, je pense pas. Ah, d'accord. Paris et Lyon aussi, parce que... C'est pas trop dans mon cœur. C'est pas trop dans mon cœur. On sait que le match Montpellier-Paris, c'était un peu chaud. Ouais, hein, tu peux nous raconter un petit peu. Un petit peu. Après, on sait qu'on a des très bons joueurs en face. Donc, forcément, souvent, les bons joueurs, ils aiment pas qu'on soit derrière eux, qu'on leur mette des coups. On a réussi à... Tu t'en es chargé. Ouais, voilà, on se souvient un peu de quelques échanges avec Neymar. Hein. Ouais. Il va venir. On l'a invité. Ouais, donc du coup, Jordan... Il a dit Romain. Je pense que Romain était plus dans la... Moi, il y en a qu'un où je pourrais pas aller, c'est Saint-Etienne. Mais c'est vrai que Paris, avec l'envergure que Paris a pris... N'importe quel joueur aimerait jouer déjà avec les joueurs qu'il y a et avec les objectifs qu'ils ont. Donc c'est vrai que Paris est devenu un très grand club européen. De là, pas qui fait rêver, mais c'est vrai qu'en tant que footeux, pouvoir jouer pour une équipe pareille et avoir la qualité qu'il y a dans cette équipe, c'est vrai que c'est fantastique pour un joueur de foot. J'enchaîne avec toi parce qu'il y a une question de Yvan Fredas. Il demande si l'année prochaine, si Val Durance monte en R1, tu veux renforcer le milieu de terrain avec Aya.
j'en profite. Jamais, tu vois. Parce que pas tout de suite, c'est pas dans mes projets tout de suite, mais plus tard, c'est vrai que j'aimerais rejouer avec mon cousin, ça serait un plaisir. Non, puis, c'est une autre question que je vais vous poser. C'est après votre en fin de carrière, bien entendu, est-ce que ce serait envisageable de finir votre carrière dans votre club formateur? Bon, toi, je sais pas c'est lequel en fait. Ouais. Toi, je sais pas si c'est le Ponté. Moi, j'ai bougé. On a un gros projet avec Anto là de. Val d'Huras. Non. Moi, si Béraba il joue toujours en Nove, c'est sûr et certain que non. On a préparé le contrat avec Hugo déjà. Parce qu'il n'est pas gérable, mais. Ouais. Non, blague à part, oui, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant. Bah, on est loin encore, pour vous. Encore très loin, mais. C'est vrai d'apporter un petit peu ce qu'on a vécu dans le milieu professionnel, de l'apporter au niveau amateur, ça peut être sympa aussi. Ouais. Et on voit que vous êtes vraiment ancré avec vos villages respectifs, hein. Mais il n'y a pas que vous aussi. Hein. Moi, je le vois avec Mur à Touri, à Camaret, il y a Mangani avec Étoile Dentelle, je veux dire. Donc c'est vrai que c'est beau de voir tous ces professionnels qui n'oublient pas le village et qui reviennent qui jouent maintenant en Nove. Donc c'est beau de voir ça. Donc voilà. Vous suivez, parce que bon. L'actualité de Saint-Rémy a fait parler ces derniers temps, Jordan. On a reçu le président Sartori la semaine dernière. Non, c'est pas encore toutes les semaines des émissions. Le mois dernier, on a reçu le nouveau président, M. Sartori. Est-ce que tu suis l'actualité un petit peu de ton club? Bien sûr, je suis l'actualité. Je m'étais renseigné aussi pour le reprendre avant la liquidation. Malheureusement, ça n'avait pas pu se faire. Donc voilà, j'ai suivi aussi la création du nouveau club de Saint-Rémy, donc c'est vrai que je suis les résultats. C'est dommage pour un club comme la SSR d'être parti comme ça en liquidation avec toute l'historique qu'avait ce club. Malheureusement, c'est comme ça. Après, comme on dit, là, avec le nouveau président, ils sont repartis sur des nouvelles bases. Donc, je souhaite toute la réussite à ce nouveau club de Saint-Rémy. C'est important d'avoir un club de foot pour une ville comme Saint-Rémy. Très bien. Encore une question de M. Yvan Fredas, qui est très actif. Pour Joris, dit Jojo, me confirmes-tu que la meilleure équipe avec laquelle tu as joué, c'est le FAC en 2011, FAC, à l'attaque, et ce stage à Vias, on en parle. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, c'est vrai qu'on avait, une belle équipe à Château-Renard, on avait que des collègues. Que des amis dans l'équipe, on a même les parents, ils s'entendaient très très bien, il y avait une bonne ambiance toute l'année. En plus, on avait de bons résultats, donc ouais, c'était une très belle année. Merci, Joris. Anthony, donc toi, tu suis l'actualité de Nove, on a déjà vu sur les journaux ou dans les réseaux que tu viens de temps en temps voir ce club. C'est un club qui te tient à cœur? Oui, parce que je suis natif de Nove. J'ai mon ami qui joue, mon meilleur ami qui joue à Nove. Donc, quand je peux et quand j'ai une opportunité, c'est toujours un plaisir de revenir déjà voir mes parents, parce qu'ils habitent à Nove, mais surtout, quand Nove joue à domicile, d'aller les voir et d'aller les encourager, c'est bien, c'est important. Très bien. Romain, quel club tu suis alors du coup? Tu suis un peu tout le monde toi? Ah non, à Gordes, il y a un sacré entraîneur, Mourinho. Donc, non, mais c'est vrai que moi je suis natif d'Apt, donc c'est vrai que c'était malheureusement le club comme Saint-Rémy repart à zéro aussi, donc c'est compliqué. Mais non, les clubs où je suis passé dans le monde amateur, j'ai forcément fait des connaissances et des amis et du coup on garde. Voilà, on garde contact et surtout on regarde les résultats de ces anciennes équipes. Très bien. Romain, toi tu suis l'actualité de Gordes, hein. On rappelle que tu es le parrain du club, tu suis l'actualité de Gordes. Ou est-ce que tu suis un petit peu l'actualité peut-être de ton club formateur aussi, le BCI peut-être? Et sincèrement, pas trop. Non, tu es un peu éloigné du foot maintenant et ça va faire notre transition hein, avec le nouveau thème sur la vie de pro et l'après. Donc on va commencer par toi, donc qui a raccroché les crampons. Il y a de ça 5 saisons. Ouais, 4 ou 5. 4 ouais. ou 5 saisons. Ben parle-nous de l'après, monde pro. Ben, l'après, comme je disais à Romain, on en a un peu discuté avant l'émission. Ben, l'après, c'est un sacré changement de vie, ça c'est sûr. On revient dans la vraie vie, entre guillemets, hein, parce que comme on le disait, moi, on part à 13-14 ans, on change de monde un peu, hein, on est,
on est dans le centre de formation, on est dans, voilà, on est dans un style de vie assez, assez extraordinaire. Et donc, ben, on revient dans la vraie vie et voilà, ça fait bizarre. Moi, personnellement, après, c'est, chacun a sa personnalité, on a pu le voir, hein, selon les situations, chacun réagit différemment. Ben, moi, le foot, à partir du moment où j'ai arrêté d'y jouer, moi, ce qui me plaisait dans le football, c'était vraiment d'y jouer, d'être compétitif, d'être bon. À partir du moment où mon corps m'a dit stop, j'ai voulu plus tourner la page. À cause de toi d'ailleurs et du président de Gordes, j'ai raccroché les crampons un peu pour cette fameuse finale Roumagou, mais j'ai plus voulu tourner la page en fait, hein, voilà, c'était plus dans cet esprit là parce que voilà, c'est un choix, j'ai fait ce que j'avais à faire dans le foot, je l'ai fait à fond, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et comme je te le dis, j'ai pas de regrets, mais j'ai voulu tourner la page parce que je me suis pas vu continuer là-dedans, j'ai voulu profiter de ma famille, j'ai voulu faire tout ce que je n'ai pas pu faire quand j'étais jeune ou quand j'étais devenu homme, parce que c'est beaucoup de sacrifices, c'est une vie aussi qui est vraiment assez avec des contraintes énormes. Donc, et voilà, j'ai voulu profiter de la vie, plus jouer tous les week-ends, plus repartir tous les week-ends. J'ai voulu voilà, profiter de ma famille, de mes amis, faire des apéros, voilà, la vie normale. Et puis, donc j'ai plus voulu tourner la page, en fait, voilà. Est-ce que la transition du footballeur professionnel à l'homme, entre guillemets, normal, est-ce que ça a été difficile? Moi, j'ai eu l'impression que ça a été, mais comme je disais, c'est tellement un changement de vie qui est énorme, que ce soit déjà au niveau financier, que ce soit au niveau aussi tout ce qui est émotionnel. Comme je disais à Romain, on vit des émotions qui sont énormes, qui sont très intenses. Et puis après, dans la vie de tous les jours, pour retrouver ça, c'est très très dur. Et donc déjà rien que par ça, c'est vraiment un changement énorme. Et puis après, voilà, même si moi, j'ai jamais trop fait attention, le fait de plus être important dans une ville ou dans une région, d'être reconnu dans la rue, voilà, d'avoir plein d'avantages quand on est connu, hein, ben ça après, on l'a plus. Donc ça aussi, c'est vrai que ça fait bizarre, mais il faut l'accepter, c'est comme ça. Et moi, j'ai toujours su que ça allait s'arrêter. Je me suis toujours préparé à cette... C'est plus important de se préparer à... Voilà, voilà. Faire anticiper, comme dans le foot, hein, pareil. Ouais. Anticiper et te dire, bon, il va y avoir une fin. Donc, voilà. Et ça, je pense que c'est très important, si je peux donner les conseils, notamment à Joris, c'est que, voilà, il faut toujours penser que un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. On a cette chance de savoir que ça va s'arrêter. Donc, vraiment d'anticiper ça, de le préparer au mieux parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais la vie d'après, il y a plein de joueurs qui le vivent très mal parce que aussi la vie familiale, elle explose aussi parce que même les femmes, elles n'ont plus la même vie. Hein. Donc, voilà, il faut essayer de l'anticiper. On a la chance, comme je le dis, de savoir que ça va s'arrêter. Donc voilà, tout faire pour que la chute, elle soit la moins périlleuse possible. Tu parles quand même, tu parles de chute. Ouais, mais c'est une chute. Non, mais c'est vrai, c'est une chute. On gagne des sommes qui sont énormes. On joue devant tous les week-ends, devant 30 000 spectateurs. On est vu à la télé. Je veux dire, après, du jour au lendemain, je me retrouve à Lille-sur-Sorgue, je marche et il n'y a plus rien, c'est fini, quoi. Voilà, de temps en temps. Non, mais après, c'est vrai, c'est un changement de vie qui est... C'est un changement de vie qui est énorme. Et tu fais quoi maintenant? Tu travailles ou? Ouais, je m'occupe de mes affaires et puis j'ai ouvert une chambre d'hôte. Ouais, je m'occupe d'une maison. Ok. Bon, ouais, bah, ça va. Anthony, la vie. Les deux, voilà, tous les deux. Votre quotidien, c'est ça. Je pense que Romain a magnifiquement bien résumé la chose et je pense que c'est le mieux placé pour en parler. J'ai que 25 ans, donc ça m'embête un peu de parler de mon après-guerre. Je pense que faut éviter d'avoir ce sentiment de frustration. Et pour éviter ce sentiment de frustration à la fin d'une carrière, il faut, comme disait Romain, je pense anticiper la baisse de salaire, anticiper le manque de notoriété, anticiper toutes ces choses qui, au quotidien, nous font croire que on est tellement en fait focus sur notre carrière que des fois on oublie un petit peu tout ce qui se passe autour, la vie sociale qui se passe autour de nous. Donc c'est important d'anticiper, d'être préparé à ça,
pour pas que ce soit un arrêt brutal et pour pas devenir dépressif, quoi, surtout. Parce que beaucoup de joueurs, comme le disait Romain, deviennent dépressifs, et pas que dans le sport de haut niveau en général. Ce manque d'adrénaline, ce manque de tout ça, qui malheureusement, on ne retrouve pas ces choses, à part dans le football de haut niveau ou dans le sport de haut niveau, on ne retrouve pas ces choses nulle part. Romain, toi tu es donc passé, on va dire, au niveau de la notoriété de quelqu'un qui, voilà, on connaît, voilà, des amis, de connaissances du football, à quelqu'un qui est vu à la télé. Est-ce que ce changement et cette vie de pro, ça a changé quelque chose pour toi? Est-ce que ça a été compliqué à gérer? Compliqué à gérer, non, parce que moi j'ai plus d'amis. Voilà, forcément, forcément. Je l'ai vécu autrement, moi, parce que je suis arrivé sur le tard. Mais c'est vrai que voilà, c'est malheureux à dire, mais c'est vrai qu'on a plus de sollicitations, on a plus d'amis, voilà. Je recevais 15 messages quand j'étais magasinier. Là maintenant, je reçois tout le temps. Donc voilà, c'est comme ça. C'est la vie, elle est comme ça. Et comme l'a dit Romain, faut s'y préparer à l'avance à tout ça, à cette chute, à cet arrêt, parce que tu passes de, voilà, le football, c'est pas pour rien que c'est le sport le plus populaire au monde. C'est exceptionnel ce qu'on vit, c'est magique. Et il faut anticiper ça, parce que ça peut être, comme l'a dit Ranto aussi, voilà, mal, ça peut être un peu dépressif. Donc, on le voit au plus haut niveau, même des superstars partent en couille complet à la fin. Donc quand on voit des icônes comme Ronaldo ou d'autres, Ronaldinho, c'est ça fait peur. Il faut faire attention. C'est vraiment, on peut pas faire mieux qu'eux. Quoi. Donc, c'est vrai que vous avez vraiment, on vous a prévenu. Quoi. Et juste une chose par rapport à votre, vu que vous jouez dans le même club tous les deux, votre, on va dire, une journée type ou une semaine type à Nîmes. Parce que des fois, c'est... l'organisation peut pas être la même d'un club ou un autre, sur les mises au vert, sur l'avant-match. Comment ça se passe à Nîmes Olympique chez vous? Voilà. C'est souvent entraînement le matin. Ouais. Voilà, on a souvent fini. Oui, pour Anthony en ce moment, du coup. Exactement. Souvent entraînement le matin, la veille de match, c'est souvent l'après-midi. Et puis ici, c'est vrai qu'à Nîmes, dans tous les clubs que j'ai fait, c'était souvent mise au vert, la veille de match, sauf qu'à Nîmes, on arrive le jour du match, surtout au domicile. Ouais, c'est pour ça que je sais qu'il y a des habitudes différentes. Quoi. On se retrouve les jours de match, on se retrouve à 10h à l'hôtel. Okay. On fait une marche d'un petit quart d'heure, on fait une vidéo sur l'adversaire. Ensuite, on mange à midi, de 13h à 16h, on fait une sieste. 16h30, on a une collation. Ensuite, on retourne dans les chambres. À 18h, le coach fait sa causerie. Et ensuite, on part au stade. Et puis après, on joue à 20h. Et toi qui as connu déjà autre chose, tu as une préférence par rapport à ce type de mise au vert, une telle ou un... On voit aussi à l'anglaise, je sais que des fois ça arrive 3h avant le match. Il y a des clubs. C'est propre à chaque joueur. Hein. Il y en a qui aiment bien être dans leur bulle, mis un peu. Voilà. Après, il y en a qui aiment bien arriver 3h avant le match. Ça, c'est un peu propre à chaque joueur. Après, nous, c'est vrai que le vestiaire vit bien, donc quand on est ensemble, ça ne nous pose pas de problème. Et à l'extérieur, c'est quoi? C'est un jour avant? Dépend de déplacement. Tout dépend. Ouais, tout dépend. C'est ça. Ouais. Donc on passe du côté de, on va dire de l'ennemi, du côté de Montpellier. Vous, votre semaine type, comment ça se passe à Montpellier? En général, on reprend l'après-midi. En début de semaine, c'est le seul entraînement qu'on a l'après-midi, c'est en reprise. D'accord. Après, c'est tous les matins. Après, on a les soins après chaque entraînement. Et après, on a les après-midi de libre. On revient en soins si on est un petit peu blessé ou si on a reçu un coup le matin ou quoi. On a la possibilité de revenir aussi en soins les après-midi. Et en général, début de semaine, c'est des entraînements assez intenses et assez longs. Avant veille de match, c'est un entraînement, c'est le plus léger. L'entraînement le plus léger de la semaine. Donc, c'est souvent à la carte ou de la finition ou des taureaux ou un tennis ballon. Parce qu'il perd souvent, c'est pour ça. et après, on a la veille de match où c'est des petits jeux et de la vivacité. Et après, le jour de match, c'est un peu comme à Nîmes. On est rarement mis au vert. Ça dépend en fait l'horaire du match. Si le match est à 20h, 21h, en général, on n'est pas en mise au vert. On part si c'est en déplacement le jour du match ou si c'est à domicile, rendez-vous un peu comme Nîmes le jour du match à l'hôtel.
Et si le match est à 17h, là oui, on est en mise au vert la veille du match à l'hôtel, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et voilà, et en général, après les matchs, on a un jour et demi de repos, si on ne joue pas tous les trois jours. Et les doubles séances, c'est quand en général? C'est en début de saison plutôt? On met jamais de double séance matin, après-midi? Plutôt en préparation. Là, nous, on l'a fait en début d'année, là, 2020, on a fait deux semaines où on a doublé une fois dans la semaine. C'est voilà, pour retravailler aussi en début d'année, mais après en général durant la saison on double rarement. Et à ce moment-là, quand vous entraînez le matin, qu'on fait double séance, on vous demande de rester sur place, manger, et aussi il regarde un petit peu. Nous encore en ce moment, on double les entraînements. Vous doublez les entraînements. Et le midi, vous restez manger ensemble? Le midi, on reste manger ensemble. Ah, et quand vous entraînez que le matin, le midi aussi, vous avez la possibilité de rester manger? Parce que bon, il y en a quelques-uns qui ont un cercle familial, une femme où rentre à la maison tranquillement, mais d'autres qui, voilà, qui c'est bien de contrôler un petit peu l'hygiène, et savoir ce qu'on mange, ce qu'on fait, pas aller à Uber Eats. Et non, c'est bien d'avoir cette possibilité de manger, d'avoir ce contrôle de l'alimentation. Vous avez l'occasion de le faire ou non? Pas Nous, on n'a pas la possibilité à Nîmes de manger. On n'a pas un restaurant. Quoi. Okay. Donc, par contre, il y a un traiteur qui vient quand on double les entraînements le mardi, par exemple. Il y a un traiteur qui vient et à ce moment-là, on reste tous ensemble avec le staff où on déjeune tous ensemble. Et ensuite, chacun rentre chez soi et revient après pour l'entraînement. Et pour vous, le midi, vous n'avez pas la possibilité de rester à... Non, nous, le midi, pareil, il n'y a pas de restauration. Il y a la possibilité d'avoir un petit déjeuner le matin, mais le midi... Mais je dis non, il n'y a pas de restauration. Après, nous, l'hygiène de vie, il y a quand même un nutritionniste au club. On est pesé tous les jours. Tous les jours, vous êtes pesé? Tous les jours, on est pesé. Il y a un test de masse grasse à peu près tous les mois. Tous les mois à peu près. Donc on est quand même très suivi. Après, c'est à nous aussi, en tant que professionnels, de savoir ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger. C'est aussi l'hygiène de vie, c'est aussi important. Ça fait partie du métier. Donc voilà, on sait qu'on est très suivi et après le club fait confiance aussi aux joueurs pour avoir la meilleure hygiène de vie possible. Et au niveau des entraînements, vous avez le côté professionnel, vous êtes en relation avec le centre de formation, avec les jeunes ou pas du tout, c'est vraiment deux pôles différents, vous ne vous croisez jamais, vous n'avez pas l'occasion de, par rapport au centre. Toi, Joris, qui était au centre, mais d'ailleurs, pas... Maintenant, il y a une petite coupure entre guillemets entre les pros et le centre, parce qu'on a un bâtiment pour les pros et un bâtiment pour le centre, et pareil pour les terrains d'entraînement. Après, on sait que les mecs du centre peuvent venir nous voir aux séances ouvertes au public, donc c'est le seul endroit où on peut les voir, entre guillemets, à part si on passe au centre, bien sûr. Mais sinon, en termes de bâtiment, on a un bâtiment bien défini pour les pros et un bâtiment pour le centre de formation, donc il y a vraiment une coupure entre le centre de formation et le bâtiment de pros. C'est un petit peu le même système, il y a un bâtiment pour les pros qui est collé par contre au centre de formation et un autre bâtiment qui sert de vestiaire pour les plus jeunes, quoi, pour la formation. Et après il y a deux stades réservés aux professionnels, mais on se croise assez souvent avec les équipes jeunes. Très bien, très bien. On va voir un petit peu s'il y a quelques questions. Ah ben, une question qui tombe de suite, c'est pour Jordan. Jordan, est-ce que cela ne t'a pas été trop... Oula, j'ai du mal. Est-ce que cela n'a pas été trop dur de quitter l'Olympique Lyonnais? Non, ça n'a pas été trop dur. C'était un besoin pour moi de tourner la page de Lyon. J'y ai passé 12 ans. J'avais de moins en moins de temps de jeu et j'avais envie de trouver un projet sportif qui me permettait de retrouver du temps de jeu, de pouvoir avoir la possibilité de m'éclater le week-end, parce que quand on s'entraîne toute la semaine et que le week-end on a très peu de temps de jeu, on est frustré et du coup ça empiète un peu sur notre quotidien, sur notre mental aussi, on est très frustré. Donc voilà, j'avais vraiment envie de rebondir et de trouver un projet sportif qui me correspond. Voilà, j'ai eu la possibilité de faire ce prêt à Nîmes qui m'a permis déjà de pouvoir me remontrer tous les week-ends, et après j'ai eu la chance d'être démarché par Montpellier qui m'a permis de signer un nouveau contrat de 4 ans avec Montpellier et qui me permet d'avoir la confiance d'un club, d'un coach et de pouvoir m'éclater au quotidien. Ça n'a pas été trop dur,
Anthony, qui va partir. Une autre question. Non, mais bon, c'est sûr que de quitter un club que tu as passé de belles années, tu as connu pas mal de choses à la Ligue des Champions, notamment. Des joueurs en contact avec beaucoup. Oui, bien sûr. Bah, après, en ayant passé 12 ans là-bas, voilà, comme dit Romain, on se fait des amis avec qui on est en contact tous les jours. Donc voilà, ça c'est des liens que voilà, que ça se cassera jamais. Comme j'ai dit, moi j'ai grandi avec des à l'âge de 15 ans, de 15 ans à 25 ans, ben voilà, 10 ans. En plus, nous on a eu la chance d'être formés ensemble et de jouer ensuite après en équipe première. Donc c'est des années fantastiques qui resteront gravées. Donc c'est sûr que ça fait une coupure, mais c'était nécessaire pour la suite de ma carrière. D'accord. Une question pour Joris. Joris, si tu avais le choix entre l'OM et Nîmes. Je pense que je choisirais l'OM quand même. Parce que c'est un peu plus rival Montpellier-Nîmes que Montpellier-OM. D'accord, ça marche. On va passer aux anecdotes maintenant, à la section anecdotes. Ouh là, Anthony, il est... Oh là, non. On va passer aux anecdotes. Une anecdote que vous soyez en tant que... joueur amateur, vous voyez, en tant qu'amateur, si vous avez ou dans la vie de tous les jours, ou en tant que professionnel. Allez, on commence par Joris, parce que tout à l'heure, tu nous as sorti une. Est-ce que tu en as une autre? Honnêtement, pas en tête, non. Je sais pas. Non. Jordan, il va nous sortir une petite anecdote. Une anecdote. Bah, non, je vais sortir. Pas de bon regard, franchement. Je vais sortir celle où on était au centre de formation avec Anto et voilà. Et le soir, souvent, quand on finissait de manger, quand il faisait un peu beau à Lyon, on allait jouer un peu à la pétanque dans le centre de formation. On avait un terrain où on pouvait jouer. Et voilà, c'est vrai qu'on se retrouvait le soir, ça faisait notre petit moment convivial. Voilà, on était 4-5 à être pas mauvais. Bon, après, Anto est vraiment au-dessus. Donc c'est un grand abatteur de pétanque. Ça nous faisait râler de... Ça a changé. Un peu de mal en ce moment. En tout cas, nous, à l'époque, il était bon, donc ça nous faisait râler. Donc du coup, il prenait un peu, parfois, quelques petites claques quand il gagnait un peu avec un trop gros écart. Mais voilà, en tout cas, c'était des moments comme ça où ça a créé des liens aussi et on a passé de bonnes soirées comme ça au centre de formation. Les claques, tu peux plus maintenant, je crois. Ah non, il a grandi. Il a grandi. Romain, petite anecdote. Alors moi, c'est pas trop sur le foot, c'est plus en dehors. Oui. C'est mon père qui m'avait, je pense qu'il a fait partie un peu de ma réussite. Moi aussi, j'ai des soucis de permis un peu quand j'étais dans le monde amateur et du coup, j'habitais à Château-Renard. Et donc j'étais à Pernes et mon père, à la sortie de son travail, venait de Apt à Château-Renard me chercher, m'amenait à l'entraînement à Pernes, il repartait me déposer à Château et après il repartait chez lui. Donc il tapait 2h30, 3h de voiture pour me permettre de jouer un bon niveau dans le monde amateur. Il a fait ça pendant un an et voilà, tous ces petits efforts qu'il a fait pendant toute mon enfance et ma jeunesse m'a permis peut-être de réussir aussi. Donc un grand merci à lui surtout. Et pendant l'entraînement, il restait aux entraînements ou... Ouais, il était obligé de rester, ouais. C'était compliqué donc, de repartir. Il fallait pas tout pour l'entraînement, sinon la route était longue. Ouais, après, il était passionné, donc il le faisait avec plaisir. Mais c'est vrai que j'ai pas facilité les choses en loupant mon permis. Et voilà, il n'était pas obligé de le faire. Il ne faut pas oublier que c'est que quand on passe pro, je sais que les parents font beaucoup de sacrifices. Énormément, déjà le sacrifice parce que vous partez tôt de la maison, ça c'est un grand sacrifice. Et après, il y a le sacrifice parce que souvent ils sont au bord du terrain tout le temps, hein, ils vous suivent. Il y a le papa de Joris que je connais très bien, donc il peut en témoigner. Donc c'est vrai que vous êtes tout le temps au bord du terrain à vous soutenir, les parents. Donc c'est vrai que ça y est pour beaucoup. Quoi, je pense que l'éducation y est pour énormément. Quand on passe en professionnel, les personnes qui ont une éducation qui est très bonne en général, on sait que c'est du sérieux, ça va loin. Quoi. Voilà. Donc Anto, pour une anecdote, parce que t'en as bien une, je pense. Merci, parce que celle-là, elle est petite quand même. Je sais, c'est Jo qui me l'a demandé, je vais la dire. Mais une bœuf, s'il te plaît. Ah. Mais donc, Jo a quitté Lyon. C'est vrai que Jo a une époque où il aimait bien la bringue. Mais à l'époque ? À l'époque. Je servais souvent de cobaye. C'est-à-dire que nous, à l'époque, au centre de formation, on avait des badges. Ouais. On avait des badges.
Le problème, c'est que quand on passait les badges sur les portes, on voyait l'heure à laquelle on rentrait. Ouais. Donc souvent, Joe m'appelait pour venir lui ouvrir la porte à, je ne dirais pas l'heure, mais aux 4-5 heures du matin. Et il peut en témoigner, un jour, donc je ne citerai pas le nom, mais un collègue à Joe, a réussi à s'endormir contre un poteau lors d'un entraînement de veille de match. C'est vrai que tu voulais que je te l'a dit. Ah ouais, ouais. C'est le plaisir. Tu l'as dit. Voilà, ça c'est le passé. Hein. Ouais, Maintenant il a arrêté tout ça. Ouais, c'est attention quand même. C'est se rassure, il a arrêté tout ça. Ah, c'est derrière toi. Je ne vois pas sortir. Puis en plus, Montpellier, c'est pas réputé pour. Non, Montpellier, il n'y a rien à faire. Donc, c'est simple. Montpellier, tu veux sortir le lundi, il n'y a rien. Le mardi, il n'y a rien. Le mercredi. Pour avoir vécu 2 ans là-bas, donc tu sais qu'il n'y a rien à faire à Montpellier. Donc, c'est un bon endroit pour mise au vert, là, c'est parfait. Non, rien à la maison. Tranquille. Auxerre, par contre, Romain, c'est pas mal. Auxerre. Super ville. Je conseille fortement. Giroud avait choisi son endroit. Il pouvait être sûr qu'il y avait rien. Ah, mais il allait chercher jusqu'à Paris. Ouais, ben, voilà, parce qu'il n'y avait que Paris. Donc, non, c'est dur. Ville, ah, c'est dur, Auxerre. Très dur. Plus dur Auxerre ou Lorient? Lorient, c'est mieux quand même. Ah, ouais, ouais. Quand même. Non. Auxerre, c'est un désert. C'est dur. Conseille pas un désert froid. Bah, et Romain, du coup ça y est, j'hésite. C'est la gratuite, ça. Et j'ai tourné la page, j'ai tout oublié. Non, je sais pas, des anecdotes, c'est vrai, je peux en avoir beaucoup, mais qu'est-ce qu'il y a comme anecdote? Je vais reparler de Ronny. C'est un truc qui m'avait marqué, c'est que la première fois que j'arrive à Paris, donc moi du national, hein, personne ne me connaissait. Et lui, de mémoire, il venait de gagner la Coupe du Monde. Et donc, il est arrivé un peu plus tard. Et moi, j'étais en train de m'étirer dans un... Il y avait un petit bassin à l'intérieur du vestiaire. Et j'étais en train de m'étirer. Et donc, je le vois passer. Mais moi, j'étais baissé. Je m'étirais les mollets. Il ne m'a pas vu. Il est arrivé. Il a dit bonjour à tout le monde. Il a commencé à se mettre sur la table, à se faire masser. Tout ça. Et puis, il y avait des baies vitrées. Et puis, d'un coup, donc, je me lève. Je finis mon étirement. Il me voit. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il arrête le masseur, il se lève, il est venu me dire bonjour. Et moi, ça, c'est un truc qui m'a marqué parce que moi, venant du national, j'étais personne. Ronaldinho, que tu voyais à la télé, qui venait de gagner la Coupe du Monde, il s'est levé, il est venu me dire bonjour. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça m'a marqué et c'est là où j'ai vu que c'était un monsieur. Voilà. Et avec Fernandez, t'as pas d'anecdote parce que c'est quand même un personnage, voilà. Fernandez. Okay. Ah si, Fernandez, allez, je... Non, mais Fernandez, moi je lui dois tout, donc je lui dois tout parce que c'est lui qui m'a sorti. Il verra pas l'émission, t'inquiète pas. Hey, on sait jamais. Non, moi je lui dois tout. Après, on l'a bloqué sur Facebook. Non, après, il a son caractère. Il a son caractère, c'est un joueur, tout est au feeling, tout est... Voilà, j'ai connu deux opposés entre Vahid, qui était lui, c'était le travail, la rigueur, tout ça. Et Louis, c'était beaucoup plus sur le feeling, il tentait des coups. Quelquefois, Jean-Louis Gasset, il devenait fou. Il partait sur un entraînement, au dernier moment, il changeait tout. Donc voilà, c'était Louis, c'était un peu ça. Mais je lui dois tout et je le remercie encore. Eh bien, merci. Et là, maintenant, on va passer... Est-ce qu'il y a une jingle, Mathieu, aujourd'hui, ou il n'y a pas de jingle? Il n'y a pas de jingle. Bon. Juste avant de lancer le jeu, donc, je pense qu'on est passé sur le plateau. Donc, on sait que vous êtes venu avec vos collègues. Je sais qu'il y a Jordan qui vient avec son collègue, Antoine avec son collègue. Donc, ils ne le savent pas. Donc, ils vont venir derrière. Hein, Yaya, tu vas aller avec ton collègue Jordan. Personne n'est au courant d'ailleurs. Hein. Lui pas au courant, personne n'est au courant. Je viens de prendre... Et Hugo, donc, tu vas faire le tour. Tu vas être derrière Anthony. Et donc, pour le jeu, c'est l'occasion aussi, parce qu'on parle des pros, mais voilà, c'est des personnages du district Rondurance. Du grand Vaucluse, excuse-moi. Le décor. Bah, vas-y, nique le décor, tu diras rien. Nique le décor, vas-y. Pas grave. Excusez-moi. donc ouais, ça prouve votre proximité. Voilà, vous êtes là, vous êtes pro, et n'oubliez pas les collègues d'en face. Donc ils sont là et ils sont venus dans le public. Donc, c'est l'occasion de participer avec vous sur le jeu. Donc il y aura des questions à répondre. Donc faites attention quand vous parlez. Et donc je te laisse lancer le jeu, vas-y.
Donc les règles du jeu sont simples, d'accord. On va vous poser des phrases dites par des joueurs passés par la Ligue 1 ou des entraîneurs de Ligue 1. À vous de reconnaître à qui elles appartiennent, tout simplement. Romain, t'es avec eux. Romain, t'es avec eux. Bon, okay. Voilà, ouais, parce que Romain, t'es tout seul, du coup, là, tu te sens un peu... Surtout que c'est pas lui qui m'a aidé. C'est moi, frère, moi, frère. Hein? Moi, frère. Je crois que je suis expérimenté de Ligue 1 ou quoi? Joris, il a... Non, mais... on réfléchit. Alors, on va commencer par, par la première, la première phrase. Ouais, on m'a dit que ça a lancé le... Par contre, il y a un truc à gagner. Pourquoi? Ah oui, on est sûr de le faire signer. Alors, si on gagne, il signe la casquette. Attention, première phrase. Personnellement, prendre des fessées, ça ne me plaît pas trop. Il y a des boîtes spécialisées pour ça et je n'y vais pas. C'est un entraîneur. Quel entraîneur a posé à 17 phrases? Mais c'est, ça date d'il y a longtemps, ça, ou c'est... 2014. Oh, ça, t'es Galtier. Il est connu. Non, c'est pas Galtier. Il est encore entraîneur là, ouais. On peut avoir un peu des... des pistes parce que sinon on est jusqu'à 23 heures. Oui, il est encore entraîneur. Ouais. Oui, oui. Ça, ça veut dire... Oui, il est très... Et on va donner notre indice quand même. Oui. Après une défaite à Rennes avec Evian. Pascal Duprat. Bien. Ah, bien joué. Pour ah, il est fort, il est excellent. Vous l'avez? Ah, il va nous la signer la casquette. Ah, il va nous la signer. Avec nous, avec nous. La signer la casquette. Ah, il va nous la signer la casquette. Tu dis la seconde, Rachid. C'est la première fois que j'ouvre le score contre Montpellier. La dernière, c'est la dernière. C'est un signe. C'est bon. Alors, Cantona m'a dit un jour, alors que je lui ai annoncé qu'il était remplaçant, on ne met pas Canto sur le banc. Je lui ai répondu, prends une chaise et assieds-toi à côté alors. Ferguson? Non. Pas non. Ferguson. Non, je pense que c'est, je dirais Courbis. Non plus. C'est pas Courbis. Mais Jacques Tapie. Non plus. Jacquet. Non. Jacques. Gotthard. Jacquet. Ah, c'est ça. Ouais. Bonne réponse. Je suis allé le chercher celui-là. 2-0. Ça fait 2-0. Hein. Mais il est bon. Mais regarde, il sait même pas de quoi on parle. Ça c'est pas mal ça. Celui-là il fait du bien. Il sait même pas si on parle de fou. Comment tu peux. Le 2 il te met à l'abri. 2-0, t'es mieux déjà. Ah, c'était forcément une réponse donnée par l'ancien. Il y a beaucoup de questions. On marque un point. Vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir. On fait remonter à Dan. On a pas dit une... Allez, la troisième. Marseille restera toujours une proie facile pour le PSG. C'est écrit dans l'histoire et ancré dans les mémoires. Elle est très dure. Parce qu'elle est c'est forcément un joueur du PSG, un ancien joueur du PSG, toujours en activité. Toujours? Ouf. Pas sûr, en fait. Je sais pas. Bon, en tout cas, il a joué. Il n'est plus au PSG. Oui, mais il joue toujours ou pas? Il joue pas. Je crois qu'il a fini sa carrière du côté de l'Angleterre, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, il est allé en Angleterre. Un numéro 10. Numéro 10. Africain. Béninois. C'est Seignon. Ouais, je l'ai dit doucement, mais je l'ai dit. On le poil en face. Ah, il a des écouteurs. On demande là-bas. On attend là-bas de la régie. Donc, considérera pour le poil. C'est le poil pour l'équipe, on va dire, Montpellier-Rennes. J'ai le mien. Ah, pardon, excusez-moi. Les gars, réveillez-vous. Donc. Quatrième question. Je préfère Courbis à Ancelotti. Il faut être jobard pour prendre ce type. Je ne vois pas ce qu'il a de plus. Il a gagné des titres, mais il avait de la cam. Nicolas. Avec... Les gars, on l'a laissé finir. Question pour les champions quand tu réponds. Eh oui. Mais c'est bon, le point. Il manquerait plus, je leur donne. On va la finir. Non, on n'allait pas vous couper la parole. On va la finir parce que c'est une sacrée. Avec Courbis, on est monté à Alain avec des demi-mongoliens. Tiens. Voilà. Après, vous avez 3, hein. Hommage à monsieur Nicolet qui a tant apporté au football français. Allez, on continue. Nous avons perdu contre Saint-Étienne pour la première fois depuis 16 ans. Nous jouons en Ligue des Champions alors que les Stéphanois jouent... Olas. Ouais, mais... Alors,
Alors c'est vrai, tu as dit Olas, mais j'ai entendu Joris, il est un peu timide Joris. Il a commencé à dire Olas, Olas, Olas. Donc on t'as dit Olas, Olas, Olas. Ouais, c'est ça, il a dit Olas. Donc je l'ai fini, je l'ai fini. C'était deux faciles. Je l'ai fini. Donc nous avons perdu contre Saint-Etienne pour la première fois depuis 16 ans. Nous jouons en Ligue des Champions alors que les Stéphanois la disputent sur PlayStation. On se souvient après de l'anecdote où un supporter stéphanois s'était rendu dans la tribune pour remettre une PlayStation à M. Olas, où il avait très peu apprécié. Donc deux présidents très emblématiques et qui ont, voilà, comme je répète pour M. Nicolin, qui ont beaucoup apporté dans le football, même s'il y en a certains qui n'apprécient guère M. Olas. Mais en tout cas, il fait beaucoup pour le football français et je pense qu'il mérite d'être respecté. Je salue mon joueur, monsieur Thomas, qui doit être ravi de mes propos. À toi, Rachid. 3-2. 3-2. Ah, non, ça fait voler, là. Non, ça fait voler, là. Ah, ouais, là, c'est. Là, c'est 3-2, je continue. Ils étaient extrêmement motivés dans l'avion. S'ils mettent autant d'envie qu'à jouer à Mario Kart en réseau aujourd'hui pendant le vol, alors ça promet pour le match. C'est quoi ? On ne sait jamais. Ça, c'est possible. C'est possible l'entraîneur de Strasbourg. Non. 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 Il entraîne toujours ? Non, il n'entraîne plus. Ah. Il n'entraîne plus. Il n'entraîne plus. C'était un jeune entraîneur. Oui. C'était un jeune entraîneur. Champion d'Europe. Oui, c'est ça. Champion. Je dirais Willy Sagnol. Willy Sagnol, bravo. Ouais, il est énorme. Ah, c'est là. Ah, bravo, c'est parce que celui-là, il fallait la chercher. Ah, ouais, il est énorme. Hein. Bravo. Ah, il... même plus qu'il avait été je sens que la casquette va être signée. Je veux que tu la signes. Ah, on va le filmer. Allez, on continue. T'es un vrai fan. Hugo, il sait pas qu'on joue. Ouais, Hugo. Ouais, en fait, tu peux parler, t'as pas le micro, mais ils t'entendent. Et pareil pour Yaya. Willy Sagnol, il peut la sortir. Ah ouais. C'est vrai. Ah, c'est non, bah, bravo. T'as le portable en dessous ou... Non, même pas. Non. Donc, il reste 4 à 2. Ça fait 4 à 2. Ça commence à être salé, les gars. Donc, prochaine. Alors, en signant à Marseille. Je suis arrivé dans une famille, je n'avais pas connu cela depuis longtemps. J'ai eu le sentiment de passer de la prison à la liberté. Il n'est un joueur plus en activité. Ah, je sais. Plus en activité, non. Il est passé de Paris à Marseille. Bay. Sana. Non. 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 DU. Non. Non plus. Bah, Enzo. Non plus. Qui a fait Paris-Marseille. 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 Paris. Qui n'est pas forcément trop réussi du côté de Marseille. Les liens droits. Jérôme Leroy. Non plus. Mais attendrai qu'il dise ça. Fiorez. Bravo. Bien joué, bonne réponse. Bonne réponse. On est 4 et 4. Oh les escrocs. C'est sûr, il a dit ça. T'as choisi ton cœur. C'est pas beau ça. C'est Fabrice Fiorez qui a déclaré ça en septembre 2004. Après son transfert. Il a fini un match nul. 4-3. En 2004, donc après son transfert. 2004, c'était pas nul. Alors continue, il y en a encore quelques-unes. 4-3. 3 ans. 4-3. Bah, Joris, il n'était pas né en 2004. Celle-ci, allez, les deux prochaines, je pense que tu peux y répondre, elles sont d'actualité. Soyez attentifs. Lorsque vous faites ce que vous aimez, vous ne voulez pas être de passage. Vous n'avez pas sacrifié toute votre vie pour être un figurant. Moi, j'espère marquer le foot de mon empreinte. Qui a déclaré ça ? C'est un joueur en activité. Mbappé, un peu plus. Tiens, Mbappé. Ouais, faut que je parle, frère. Ouais, parle. Dis-le alors. Parce que je dis, ouais, faut que je parle, frère. On peut plus tolérer. On peut plus tolérer. Ça fait 4-3. Bravo, Anto. Je l'ai dit. Alors, on peut égaliser. Parle, frère, parce que il en reste 2. Ouais. Il en reste 2. Et 5-3. 5-3. Il n'a plus droit à l'erreur en fait, en gros. Ce serait bien que tu parles un peu, Joris. Ouais, ah ouais, mais déjà les réponses à Joris. Joris a les réponses, mais il fait. Il hésite, Joris, il n'ose pas. Il avait le M. Donc, neuvième question. Donc, lui, il vaut 10 millions en parlant d'un joueur qui était sur le terrain. Et donc, c'est un entraîneur qui parle d'un joueur qui était sur le terrain. Il dit, lui, il vaut 10 millions. C'est un entraîneur, mais qui est en activité plus en France. Okay. Lui, il vaut 10 millions. Ouais. Lui, il vaut 10 millions en parlant d'un joueur qui était sur le terrain.
Il était coach. Il est toujours en activité. Mais plus en France. Dans ce club-là. En Angleterre. Non. C'était en France. Ligue 1. Oui, mais là, il exerce encore, mais plus en France. Voilà. Il est champion du monde. Champion d'Europe avec la France. Thierry Henry. Thierry Henry, 5-14, bravo. Ouais, j'ai Henry, je l'oubliais, le doigt. Thierry Henry, entraîneur de Monaco. Ah, c'est donné. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire la différence. Aïe, aïe. Alors, est-ce qu'il va y avoir une égalisation? Bonne réponse de Hugo Verrabal. Fini sur ça. Hugo, il est perplexe, là. Hein, il sait pas, il hésite. Allez. L'écusson est au-dessus de tout. Nous qui portons l'écusson sommes tous de passage. Les seuls qui maintiennent et entretiennent la tradition, ce sont les supporters. C'est un entraîneur qui a déclaré ça, toujours en activité. Oui. Mais en France, français ? Il a été en France. Il était en France. Il est en Angleterre. Il est en Angleterre. Oh putain. Bielsa ? Bielsa, bonne réponse. Oui, bien joué, c'est Yaya qui a soufflé derrière. Il n'a pas osé le dire fort, mais c'est bien ça. Marcelo Bielsa en parlant des supporters de l'Olympique de Marseille. Alors là, ça en fait une dernière pour départager tout ça. C'est là où on est un peu dans la merde parce qu'on a oublié de dire. Mais non, on en a une pour. C'est que tu m'as retiré tout à l'heure. Ah oui, oui. Ah, voilà. Bon, allez, alors elle est super facile, ça va être une question de rapidité. Mais réveille un peu. Allez où, Rachid? Mais réveille-toi, allez, c'est à toi. C'est toi, on prend le risque, tu vas en aller. On va se faire voler. Ah oui, ah, c'est sûr. Vous êtes prêts? Il faut être réactif là. Là, c'est la question vraiment de rapidité. La Ligue 1 me connaît. Zlatan. Ouais. Voilà, voilà, tu vois. Voilà, il fallait sur la dernière. Mais c'est mérité. Ah mais c'est bon, c'est bon. Je veux la casquette. C'est mérité. Franchement, c'est mérité. Bravo. Bien joué, Hugo. Bravo. Super ce que tu fais. Bravo. Attends, la question là, non? Elle va poser la question, frère. Elles sont très rapides. Donc on arrive au terme déjà de cette émission. Déjà, je pense que Mathieu doit être content quand même, parce que je pense qu'on a encore une fois dépassé le temps. Quelques insultes sur mon truc. Donc avant de vous quitter et de vous remercier tous d'être venus, on va remercier nos partenaires ce soir. Hop, que j'ai plus. Si, oui, ils sont là, pardon. Donc il y a l'entreprise Fox pour le matériel, l'entreprise Axo qui nous accueille dans ses locaux, l'entreprise Soli Events pour le décor, les restaurants partenaires Jimi Hendrix, le bistrot de Mathieu, le Mas Gourmand, la Grappe et le Bouche à Oreille, le domaine des Blaquières. Et on remercie bien entendu Christophe pour les photos ici présents et sans oublier Big Pump TV pour la réalisation avec Mathieu et Coco. C'était une première pour nous avec un public, donc on remercie aussi le public présent ce soir, ça fait toujours plaisir. Ensuite, je vais tous vous remercier d'avoir pris du temps pour venir aujourd'hui répondre, un peu partager avec vous votre expérience. J'ai eu du mal ce soir, hein. un peu à bégayer. Merci à tous de votre proximité et en espérant vous revoir bientôt. Je vais laisser la parole à Rachid pour peut-être le mot de fin aussi. Ben, moi aussi, je vous remercie chaleureusement d'être venu ce soir. Ça fait plaisir de vous revoir, hein, beaucoup d'entre vous. Et on vous souhaite vraiment tout le meilleur parce que franchement, on est fiers de vous. Et vraiment, vous représentez très très bien la région et le district Honduras. Donc pour ça, je vous remercie chaleureusement. Et donc du coup, je vais enchaîner. Ben, je pense qu'on va faire un petit mot de la fin à chacun d'entre vous pour finir. Mathieu, il n'est pas content, il me regarde et il se tape la tête. Donc, chacun vos tours. Donc, on va vous laisser la parole pour finir l'émission, pour conclure. Donc, Romain, on va commencer par toi. Ben, écoutez, moi, j'ai passé un très bon moment. Ouais. Ça m'a fait plaisir de reparler de football. Moi, je reste un grand passionné de foot. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je vous souhaite bonne chance à tous. Profitez bien à fond. C'est important. N'ayez pas de regrets quand ça se terminera. Et puis voilà, je vous souhaite bon vent à tous et puis je me suis régalé. Merci. Romain, le mot 2 du coup. Merci pour l'accueil, ouais. Merci pour ce bon moment et voilà, toujours un plaisir de venir parler foot voilà, avec des connaissances. Merci à vous, merci de l'accueil, merci de l'invitation à tout le monde. Je pense qu'on a tous passé un super moment et je trouve que c'est ce que vous faites de mettre en valeur la région. Et le football amateur, c'est super. Donc,
je souhaite de continuer et d'avoir beaucoup de followers. Tu parles anglais, c'est un signe ça. Ah bah. Tu veux partir. Jordan, parle italien, mais. Non, ben, merci à vous pour l'accueil. J'ai passé pareil un très bon moment et un peu comme a dit Anto, voilà, bonne continuation à vous aussi. C'est bien ce que vous faites et voilà, on vous soutiendra aussi de notre côté du mieux qu'on peut et voilà. Donc merci à vous pour l'accueil et on a passé un très bon moment. Merci. Joris. Ouais, pareil, moi j'ai passé un très bon moment avec vous à parler de foot et merci pour l'accueil et merci pour l'invitation. Bon, mais on vous souhaite vraiment une bonne continuation, on vous suivra de près comme d'habitude. Et pour finir, donc, je vais annoncer les prochaines émissions. Donc, le 3 février, ce sera l'émission du Monday Time Rugby avec notre ami Karim Mister Gastro et Yvan le loup solitaire. Donc après. Ensuite, il y aura l'émission de basket le 10 février. Soyez connectés avec présenté par Olivier le Very Bad Gone, hein, grand fan de Lyon, et Loïc. Et pour nous, on se retrouvera le 17 février pour une émission encore spéciale avec normalement Neymar, Zizou ou encore Ronaldo et Messi. On attend leurs réponses. On espère que ça sera ça. Je les follow sur Instagram et ils font des réponses. Non, en tout cas, pensez à bien vous connecter sur www.bigpomptv.com. Pensez à partager l'émission, liker. On vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine mission de football. C'était le Monday Time Football. Ouais. Bien soir à tous et à bientôt. D'ici là, tu auras une victoire. Bien soir. Merci.